Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe TV Caraïbes là depuis Mont Bado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi a nous pas démarrer tout de suite avec information, mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes là voulait remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Mont Bado Police, équipe TV Caraïbes là, nous apprécier ça. Et si c'est première fois visiter nous, information nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec TV Caraïbes et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification TV Caraïbes. Et bien, nous pas perdre du temps, nous déroulons avec information. Yo, en nous, directeur circulation avec police routière, DCPR, annoncé plusieurs mesures qui déjà prend pour faciliter circulation machine pour période carnaval là dans Port-au-Prince. Et nous voulons faire connaître tout, juge Benjamin Félix-Mé, voyez audience correctionnelle qui oppose trois sénateurs avec président République, la Jovenel Moïse, pour lundi 3 février 2020, à cause tant de temps arrivé, l'été trop tard pour audience là. En place. Et nous voulons faire connaître tout dossier Sojourner là envoyé pour 3 février tout parce que avocat Sojourner pas de présent pour audience ça. Ces informations ça nous porter pour nous pas perdre du temps, n'a pas commencé coulier. La police là, qui prend toute disposition pour le carnaval là passer très bien d'abord. Et nous même dans la direction circulation, côté parcours carnaval là, alors à partir de 3 heures, nous bloquons totalement de Pont-Morin à l'Ixoy, la Lue, jusqu'à ce que nous virions devant le quartier général et puis nous prenons en masse. Nous avons bloqué à partir de 3 heures, machine pas qu'à fréquenter. Mais nous avons l'autre ouverture qui fait pour si on nous table venir parce que nous pas bloqué la zone, nous pas bloqué la zone Tujo, nous pas bloqué le canapé vert et toute zone ça est libre pour tout le monde qui l'avait fréquenté pour venir dans le canapé là parce que non seulement nous avons Kafou Tifou, à partir de Kafou Tifou, ou pas qu'à emprunter ce masque-là avec machine comme ça non plus. Dans toute zone ça est interdit normalement. Le directeur général de la police là, il fait plusieurs réunions ensemble avec nous pour le carnaval là. C'est une façon pour tout le monde qui a vu le carnaval et prend plaisir. J'ai eu plaisir. Prend plaisir. Non seulement nous faisons fouille tout pour si on nous a venir avec des armes blanches et il y a interdit des bouteilles qui vont passer dans le carnaval là. Et nous même dans la circulation, nous faisons des checkpoints normalement. Surtout, si nous avons une machine sans plaque dans la rue, parce que dès que nous avons circulé une machine sans plaque, ce sont des gens qui ont une mauvaise intention. Parce que le décret 26 mai 2006 a dit ou nous n'avons pas prendre la rue à une machine sans plaque. Et nous prêtons plus attention sur ça, ni machine qui sans plaque et ni machine qui a roulé à une seule plaque, et y compris motocyclette qui a circulé sans plaque dans la rue. Nous, même dans le service de circulation, nous prenons disposition, tout le monde nous rentre dans la base. C'est toujours dans le cadre sécurité. Et nous avons un directeur général, Normil Rameau, qui prend toute disposition, et non seulement pour nous détecter des machines qui va gagner tête, et ne pas émettre et ni nous pas renouveler non plus. Pour nous détecter, nous avons détecté parce que nous avons dit vite tête, parfois nous avons doute sur le tout pour l'insécurité. Et population avec moun kap sikil avec machine sans plaque, quel que soit rang, quel que soit sorte, automatiquement pour machine sans plaque, wap sikil sous tout là, non seulement on viole décret 26 mai 2006 là, et ou semble on l'autre moun tout, parce que décret a déjà dit ou pas qu'il doit sortir avec une machine sans plaque, c'est ou son moun qui va le prendre action, on va nous prendre moun sécurité. Dans lequel se trouvent les représentants du ministère public, dont l'un d'entre eux est un pasteur et qui croit être à son église en train de prêcher aux inconvertis.
comme nous sommes. Non, taisez-vous. Lorsque vous parliez, moi je m'étais. Vous allez vous taire. Vous allez vous taire. Discipline. Préliminaire et primaire. Maïssa, élémentaire. On ne peut pas avoir élection, mais nous. Maïssa. Maïssa, je disais que les honorables représentants du ministère public se font perdre dans les méandres d'une procédure non maîtrisée. Non maîtrisée. Nous sommes en matière pénale. Et là, nous sommes dans le cadre d'une procédure pénale. Le droit de procédure pénale est enseigné dans les facultés de droit. Je ne comprends pas. Oh, magistrat, nous allons répondre aux allégations non fondées et censées des honorables membres du ministère public. Le ministère public voudrait attirer votre attention sur le fait qu'il y a une exception rationnée personnée qui a été soulevée et sur laquelle le tribunal doit statuer. Bon, maintenant, la partie civile dit un tas de choses. On n'est pas encore à cette phase. Donc, toutes les fois qu'il y a une exception qui est soulevée par devant le tribunal, la loi vous fait obligation de statuer sur l'exception. C'est la première motion. Deuxième. Nous avons des avocats de la partie. Mais c'est la partie civile, il y a une seule partie. Vous avez déjà conclu, c'est fini. Vous avez conclu. Vous avez conclu. Chaque mobile avec des missions. Harmonisez-vous. Allez-y, merci. Magistrat, nous avons été partis. Nous avons compris que ces anciens sénateurs étaient au manque d'une stèle pour faire du théâtre, vu que leur mandat est à faire. Vu leur avancée, tout en levant le siège, met l'affaire en continuation à l'audience de Huitel. Notre objectif, c'est dire que le président Jovenel a commis l'infraction de relais abus de fonction dans la loi sur corruption. C'est dit, président Jovenel violait l'article 148 code pénal là et par conséquent, il doit prendre sanction la loi. Mes amis, mais quand le président convoqué le débat 2018, le moniteur en a même. Pour voter la loi électorale là, pour faire élection. Ok? Moniteur 11 septembre 2018, mais en a même là, numéro moniteur. Moniteur code numéro 159. Ou Ali, même moniteur, côté président, c'est convoqué nègre. Ça, c'est Youn. En 2019, là, président reconvoqué encore.
pour y'a voté loi électorale là pour y'a fait l'élection. Y'a pas fait. Y'a chute à craser chaise, goumé, bon, badigeonné, y'a pas bon spent, mais y'a peinture. Bon. Mais qu'il y a là, y'a besoin de tourner dans le Sénat. C'est une besoin de tourner. Bon. Mais lettre que Sénat veut par le président. Ouais, alors je dis qu'il y a un président, comment on peut gagner même? Mais l'être, vous voyez, Sénat, plus on dit que c'est 10 sénateurs qui étaient, pas grand encore. Ça veut dire que bon, même si je t'ai dit au sénateur qu'on est Wajita. Ensuite, vous voyez, quand on fait là, on va faire tirer toute sécurité sur le numéro là. Il va marcher pour quoi, vous. Dans l'arrière, sécurité, on va faire tout ce que ça veut. Mon autre lettre encore, que le secrétariat. Sénat écrit moi-même, maître Donjoy. Je me dis, écrit, je me dis, vous voyez, s'il vous plaît, combien de sénateurs qui sont dedans? Mais le temps même. Le Sénat de la République répond moi, et puis, mais les sénateurs, je dis, qui en dedans? Ouais. Bah, non, yo. Mais non, yo. Yo, du, un, sénateur Pierre-François Sildor, président, département sud. Deux, Jean-Marie Raffetier, questeur, nord. Trois, Pierre Wannick, secrétaire, Nord-Est. 4. Joseph Lambert, Sud-Est. 5. Delva Gracia, Antibonite. 6. Pierre-Paul Patrice Dumont. 7. Denis Cadeau, Nick. 8. Jean-Hugo Belizer. 9. Cédric Augustin. 10. Ronnie Saint-Destin. 11. Pas grand encore. Pas grand 11. Maintenant, j'ai fait toute ma chose, j'ai dit, j'ai capuché. Donc, je vous montre, nous, que, bah, il n'y a fait à sa fondement. Seul tribunal qui est compétent pour juger un président en fonction, c'est la Cour de justice, nous, on commence à passer aux États-Unis. Est-ce qu'on va se devant la Chambre correctionnelle, il y a les présidents, et Trump, ou pas, ouais, c'est la Chambre des députés qui fait une accusation, jouer dans les autres confrères qui représentent l'État, savoir le maître Coutso Canton, maître Désir Joassin, maître Newton Louis Saint-Luc, assiste actuellement au funérailles de maître Calixte de la Tour. Ils ne sont pas présents, et je n'ai pas augmenté non plus nos confrères de la Défense qui représentent les intérêts de la Sogénère et des prévenus Jean-Marie Corbe, Albert, Edouard, Dimitri, Bob et Jean-Marc Roger, le père, etc. En conséquence, je prie votre tribunal de vouloir, sous l'évocation de l'affaire, envoyer l'affaire à la plus prochaine audience de huitaine. L'évocation de l'affaire opposant l'État haïtien contre la Société Générale d'Énergie, contre la Société Générale d'Énergie SA. Son gérant, maître Osley HPV, sollicite la parole. Attendu qu'il y a lieu pour le tribunal de faire droit à cette demande, tout en ordonnant à la partie civile de sommer la partie prévenue à comparaître à la dite audience. Par ces motifs, le tribunal, sur les conclusions du ministère public, fait droit par ces motifs, le tribunal, sur les conclusions du ministère public, fait droit à la remise sollicitée par la partie civile. Ordonne à cette dernière de sommer la partie prévenue à comparaître à la plus prochaine audience du tribunal.
Voilà. Équipe TV Caraïbes la dit merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbes. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.